Salut à tous et à toutes, c'est Sane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre let's play sur Sakura Wars. Comme d'habitude, on va continuer tout de suite. Alors la dernière fois, on s'était arrêté après que Iris ait explosé un cinéma. Et ouais, on a découvert que Iris avait des pouvoirs un peu chelous. Des pouvoirs électriques, hein, j'ai l'impression. Genre il nous a un peu explosé la tête. Et du coup on s'est un peu embrouillé avec elle et tout. Du coup là on va la retrouver. Oh, c'est une cinématique. Mon frère. Je pense que ça va être le rêve d'Iris sûrement. Mon frère, si chaud. Ouais, c'était, je m'en doutais un peu, c'était son rêve à elle. Parce que je rappelle quand même que la petite Iris, elle nous aime bien. Elle aime beaucoup Ichiro. Du coup, c'est pour ça qu'elle rêve de nous. C'était juste un rêve. Mon frère, je veux devenir une adulte aussi vite que possible. Parce que son conflit à elle, c'est qu'elle veut devenir, enfin, c'est qu'elle veut devenir une adulte rapidement. Alors que ce n'est qu'une enfant, hein. Du coup c'est un peu compliqué. C'est un peu le problème typique des adolescents, quoi. Vouloir être pris au sérieux, mais en même temps être toujours sur la responsabilité de quelqu'un, quoi. C'est assez compliqué. Je suis aussi passé par là, hein. Tout le monde passe par là, je pense. Déjà le matin, je me demande si Iris s'est calmée. On va aller la voir. Tac tac tac. Iris. Toc toc. Iris, c'est moi. Est-ce que tu voudrais écouter ce que j'ai à te dire, s'il te plaît? Je sais pas trop quoi dire, je vous avoue. Je le savais. Quoi? Tu penses que je suis un fardeau, tout le monde le pense. J'aurais peut-être dû dire quelque chose. C'est pas vrai, tout le monde est inquiet à propos de toi. Tu mens. Vous pensez que je suis un fardeau parce que je suis une enfant. Vous me détestez tous. Ce n'est rien comme ça, tout le monde t'aime, Iris. Même toi, mon frère. Ah, les problèmes commencent, évidemment. Ça y est. Dans ce cas, embrasse-moi. Oula. Embrasser. Tout de suite. Qu'est-ce que je devrais faire? Le cancel est fort avec celui-là. Ah. Ah. Ah! 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 J'ai pas envie! Ah! Qu'est-ce qui ne va pas, Iris? Mon frère, tu mens? Tu ne m'aimes pas du tout, tu ne vas pas m'embrasser. Je peux lire tes pensées. Tu penses que je suis juste une petite fille, après tout. Oula, ça part en drama de ouf, hein. Iris! Menteur! Aïe aïe aïe. Iris! Oh, c'est intéressant de constater qu'on n'a pas baissé notre amitié avec elle. Notre affection. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu le son. Elle est partie. Yes, on a rendu tout ça pire. Oula, il s'est passé quoi, là? Okami! Sakura, qu'est-ce qui se passe, ici? C'est vraiment mauvais.
Iris a, oh purée, a embarqué un Kubo et s'est rendu à l'extérieur. Quoi? Si Iris se balade autour de la ville, comme elle est maintenant, il va y avoir beaucoup d'ennuis. Viens, allons dans la salle de commande. C'est un peu la merde, hein, je vous avoue. Un peu beaucoup la merde. C'est assez le. C'est assez délicat. Qui aurait pu penser que la petite Iris s'enfuirait en ville avec un Kobu? Sans mentionner le fait que le Kobu qu'elle a pris était notre tout dernier modèle, frais de la branche Anayashiki. Chef, est-ce que vous savez où est-ce que Iris s'est rendue? On dirait qu'elle s'est rendue vers Asakusa. Évidemment. Elle est? Elle a réussi à aller tout là-bas? Mais c'est la première fois qu'elle pilote un Kubo. Allons à Asakusa et ramenons Iris à nous. Je compte sur vous, tout le monde. Quoi? Ah bah génial! On a les méchants qui arrivent. Chef! Quoi, Yami? Qu'est-ce qui. Pourquoi es-tu aussi tendu? C'est l'essaim des ténèbres. J'ai un rapport confirmé que les ex-mecs des essaims sont à Asakusa, évidemment. Êtes-vous sérieuse? Merde. Ils ont dû se montrer maintenant, n'est-ce pas? Évidemment qu'ils se montrent maintenant. Eh bien, je suppose qu'on devrait compter. Qu'on devrait compter comme une bénédiction que Iris soit rendue à Asakusa dans ce cas-là. De cette façon, on peut sécuriser Iris et en même temps mettre à mal les essaims des ténèbres simultanément. Très bien, rendons-nous à Asakusa immédiatement. Je compte sur toi, Ogami. Oui, monsieur. Ok, allons-y. Attends une minute, Ogami. Madame? Ogami, je pense que tu. Enfin, j'espère que tu comprends pourquoi Iris s'est enfuie. Qu'est-ce que tu dirais? Quels sont les bons points de Iris selon toi, Ogami? Quoi? Par exemple, elle est joyeuse, innocente et honnête avec elle-même et les autres à propos de ses sentiments. Les choses qui la rendent enfantin sont aussi les choses qu'on aime le plus à propos d'elle. Est-ce que tu ne serais pas d'accord? Alors elle ne devrait pas se forcer à grandir aussi vite. S'il te plaît, dis-lui ça, Ogami. Je pense que tu es le seul qui peut. Bien dans ce cas-là, Ogami, tout le monde t'attend. Préparez-vous à sortir. Let's go. Assaut impérial, troupes d'assaut impérial, déploiement. Oui, monsieur notre initiation. Et Kamina Rimo à Asakusa. On arrive pour toi, Eris. Tu peux nous faire confiance. On assure tes arrières, gamine. Troupes d'assaut impérial, déploiement. Let's go. La petite cinématique d'à chaque fois. Du coup, on prend le train ou le dirigeable? On prend le train hein, cette fois-ci, j'ai l'impression. Ouais, on prend le train. Le bullet train. Alors, je sais plus c'était quoi le nom du train. Mais ouais, oh. Au moins ça change un peu, on va dire, de la dernière fois. Elle est bien stylée en plus. Hein. J'aime beaucoup le design du train. Ça fait très steampunk.
de l'eau. Mais what the fuck? Pourquoi ça fait des tourniquets comme ça là? C'est tellement pas nécessaire. J'aime bien parce que c'est tellement inutile comme, comme fonction, je trouve. Ah, le statut. Terrible. Ah bah super. Alors Maria, c'est. Maria est devenue normale, c'est pas mal. Bon, ouais, sinon, on a personne qui est en très très bon mood. On va faire gaffe du coup. On va sauvegarder. Hop là. Let's go. Évidemment, un petit écran noir. Comme d'habitude, on ne change pas d'équipe qui gagne. Les PNJ qui se cassent. Du coup, je m'en doutais que c'était lui. Ah ah ah, brûlé, brûlé. Il faut encore leur. Leur incantation bizarre. Il va certainement vouloir se venger par rapport à l'autre qu'on a vaincu là. Ah, il est là! Kia! Oh, elle va aller l'affronter toute seule. Elle est un peu folle, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Genre, elle danse et tout. Quoi? Mais d'où est-ce que tu viens? Oh! Ah purée, il peut se téléporter comme ça. Ça va aller, Iris. Tu n'es pas en danger ou quoi que ce soit. Alors viens par ici. Iris, tu es tellement une petite fille intelligente. Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas venir ici? Allez, bonne petite, viens par là. On te tient. Maintenant, comporte-toi bien. Tu ne t'échapperas pas. Ok, maintenant, sois juste une bonne petite fille. Vous êtes tous des menteurs. Ok. Du coup là, je sais pas ce qu'il fait. Mais, oh mon dieu, quelle magnifique machine. Qu'est-ce que tu leur as fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire, chef? Ah merde! Je voulais choisir le premier. Mais what? Mais j'avais ma souris sur le premier, j'ai pas compris. On a besoin de prendre soin des ennemis en premier. Attends chef, qu'en est-il de Iris? Ah Sakura, chef Sakura, le kubo de Sakura est en train de bouger. Laissez-moi Iris, tout le monde, concentrez-vous sur l'ennemi. Je savais, tu t'en fiches de moi après tout mon frère. Iris, attends. Capitaine, l'ennemi est à au temple Sensoji, de l'autre côté de la porte Kamina Rimon. Écrasez-les avec une seule attaque. On dirait que. Enfin, tu fais en. Tu dis comme si c'était facile, mais ils ont complètement enfermé Kamina Rimon. On n'a pas de temps à gâcher. C'est une décision difficile, mais on a besoin de. D'écraser la porte de Kamina Rimon. On manque de puissance de feu. La dernière fois, ça avait brûlé. Ils ont construit le tout en utilisant le Célestil. Nos armes de Kubo vont juste rebondir dessus. Et même les canons de la baleine volante ne mettraient même pas une seule égratignure. Ah ouais, purée, c'est du bon matériel, hein. On dirait qu'on n'a pas d'autre option. Tout le monde, concentrez-vous sur le fait de détruire les rear guards pour l'instant. Alors je vous avoue que j'ai pas du tout fait exprès. Moi au début je voulais sauver Iris. Je voulais pas du tout concentrer sur l'ennemi, je vous avoue. Je me demande si ça aurait changé quoi que ce soit. Mais ouais, je vous avoue que là.
En fait, j'ai pas compris parce que j'avais ma souris sur la première option et ça m'a pas choisi la première option, du coup je suis un peu déçu. Enfin, je suis un peu deg. Bon, je vais pas recharger une ancienne sauvegarde. J'assume les choses jusqu'au bout. C'est pas très grave. Mais ouais, c'est un peu dommage. Parce que du coup, bah, Iris, elle me déteste maintenant. Et bah, ça sera pas ouf, quoi, si elle me déteste. On va bouger. Alors, si je comprends bien, il faut attaquer les ennemis qui sont là. Hein. Si c'est bien ce que j'ai compris. On va s'approcher, du coup. Bande d'insectes. Si vous venez pas tous ensemble, vous êtes complètement inutile. Je suis Razetsu et je vais vous faire payer pour avoir tué mon frère. Je vais vous faire payer chèrement. Tremblez devant la toute-puissance de l'essaim des ténèbres. Mais tout d'abord, Ogami, avant que je t'envoie en enfer, réponds à une question. Lequel de tes membres de squad. Quel membre de l'équipe est la plus chère pour toi ? Quelqu'un d'autre, je sais pas. Je vois, alors c'est ce que tu ressens pour ta division de fleurs. What the fuck? Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, il m'a juste téléporté et il me pète la gueule. Très bien. Ah, c'est vrai que je sens que le jeu me pousse à me dire quel personnage je préfère, mais le problème bah c'est que bah, je les connais pas encore très bien ces persos, du coup bah, je peux pas vraiment choisir quoi. On va descendre. Là, on se défend. Bon, lui il veut m'attaquer. On se défend. Ah, ben, je vais vous envoyer tous en enfer avec ma magie d'invocation. Ah, il peut faire ça. Et comme ça, vous verrez comment vous vous sentirez en regardant vos camarades mourir devant vos yeux. Ogami, je me rends vers toi avec la baleine volante. Tu vas devoir tenir jusqu'à ce qu'on arrive. Oui, madame. Pas vraiment touché là. Ok. Pour l'instant, Kana elle prend cher. Oh, ouais, elle a pris très cher là. Ok, là c'est Sumire qui prend quelques dégâts. Tac tac tac. Je vais attaquer ceux qui sont là. Tiens. 68. Pas encore assez, malheureusement. On va bouger ici. On va faire une attaque spéciale là. Kanzaki Fujin-ryu. Après ils sont pas morts hein. Abusé.
si je faisais le spécial. Ah non. On va attaquer normalement. Ah, je pensais qu'elle l'aurait qu'elle les aurait tués en un coup, mais pas du tout. Là on va bouger. On va mettre un peu en arrière. Ok, on va. Ah merde, je suis coincé avec lui en fait. Mais attendez. Je vais couvrir Kana qui est là. Alors je sais pas si c'est possible de la couvrir comme ça, mais bon. On le fait, hein. On va se défendre. Je pense qu'il faut pas que je l'attaque, hein. Je pense qu'il faut juste que je me protège pour l'instant. Hop là, je la protège. Merci, je t'en dois une. Ok, eux ils vont arriver en masse. Ah du coup ils vont attaquer les deux, merde. J'aurais pas dû les mettre aussi proches. Ah il fait mal en plus. Mais bon, je la protège. Donc ça passe. Merci, je t'en dois une. Du coup, on va continuer à attaquer celui-là. Là, on crève. Très bien. Et on va se défendre. Toi, tu vas attaquer ceux-là. Tchac. Oh oui, j'ai fait deux coups là. Parfait. Spécial. Faut que je m'approche un peu. On va se mettre là. Spécial, on va attaquer là. Et voilà. Comme ça, on touche plus de personnes. Voilà. Oh, 4 ans de dégâts en plus. Parfait. Parfait, parfait. On peut aller tabasser celui qui est là-bas. Non, je peux pas d'attaque spéciale. Ok, 58, c'est pas mal. Là on va... Je vais mettre là. Je vais couvrir qui là? Peut-être Koran. Et on va se défendre. Oh purée, j'ai encore été téléporté, ok. Ok. On va dire ces dégâts, c'est vraiment pas bon. Ok, parfait. Il va attaquer... ça va faire mal, hein. Ça fait un peu mal. Ah non, ça va. Il a pas mal de défense. C'est tranquille. On va attaquer normalement celui-là. Ok. Deux coups, c'est parfait, on le tue en un coup. C'est pas mal. Très bien. On va se soigner.
Là, 50. On va attaquer à nouveau celui-là. On peut crever. Bien. On va juste bouger. On va monter un peu. Toi, tu vas bouger, tu vas l'éclater. La petite attaque. 37 de dégâts. Est-ce que je peux l'attaquer d'ici? Non. Faut que je m'approche un peu. Il est mort, c'est bon. Donc on va pouvoir protéger Kana, vu que c'est elle qui va se faire attaquer. Et on va se casser. Et on va se soigner. Ok. Ok, il arrive encore, il cherche son attaque. Moi j'ai bientôt fini, du coup ça devrait aller. On l'en protège. On augmente. Ah, l'autre il a pas bougé, tiens. C'est marrant. Bah écoute, on va plutôt attaquer celui qui est là. Attaquer normalement. Ça le tue pas malheureusement. Se mettre là. Ok. Se rapproche. On se rapproche également. Et on attaque. Et ça crève. Alors, qu'est-ce que je pourrais défendre là? Peut-être qu'il va attaquer Sumire ou Koran. On va peut-être attaquer Koran. Hein. Je vais protéger Koran au cas où. Et moi je vais me casser d'ici comme d'hab. On va se protéger. On joue un peu au chat et à la souris. Hein. Il augmente son pouvoir. Et non, il attaque toujours Kana, d'accord. Je suis complètement trompé. Je pensais qu'il aurait visé quelqu'un d'autre. Mais bon, on va pouvoir en finir. Hop là. Je sais pas s'il y a une logique derrière les enchaînements. Ou si c'est vraiment que la RNG. Okami, je vais activer les circuits à vapeur qui vont ouvrir et fermer la porte du Kamina Rimon. Ça va être un peu bordélique, mais allons-y. Ok. Nice. Bien, la porte est ouverte, tout le monde, entrez là-dedans. On dirait que je vais devoir sortir ma botte secrète et vous noyer tous dans une mer de sang. Il se passe quoi? Ok, purée, le combat est pas fini. D'accord, super. Du coup, maintenant il faut que je fasse en sorte que tous les membres de l'équipe reviennent. Se heal un peu quand même. On va reste. On va avoir besoin de pouvoir là.
représente notre pouvoir. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu de mes alliés. Je vais m'attaquer un peu, mais c'est pas grave. Ouch. Soigner un peu. Là. Salut! C'est pas que je t'aime pas, mais voilà. Quoi? Ah merde! Bah super, il a piqué Maria. Oh purée, il a fait trop mal. Oh purée. Il a fait méga mal, c'est abusé. Je pensais pas qu'il pourrait encore téléporter des gens en fait. Tiens, on va se défendre là aussi. On va se soigner parce que là, si téléporte Sumire, ça va mal se passer. Faut se soigner, hein. Pas le choix. Bon, on va protéger Maria. Et on va retourner le combat de lui. On fait un spécial. Peut-être une mauvaise idée. Il a son pouvoir en plus. Je vais peut-être dû me défendre. On espère qu'il fait pas trop de dégâts. Ouf. Ah ouais, 70. Ah ouais, ça pue par contre. Ça pue de ouf. Ça pue de ouf. Me défendre. Je peux attaquer d'ici. Non, je peux pas l'attaquer. Merde. Tant pis. Tant pis. On s'approche un peu tous, hein. On charge un peu nos pouvoirs. Toi, tu vas te mettre ici. Va attaquer 32 dégâts, hein, c'est vraiment pas bon. Je vais mettre là. Les combats ils deviennent un peu plus difficiles, hein. Ah, il peut attaquer à deux cases. C'est bon, je la protège. J'ai peut-être pas dû m'éloigner autant, donc j'y pense. On va se défendre. On va bouger, on va se mettre. On va reculer encore un peu.
Ok. Attaque spéciale. Septante des dégâts, ok. Ça y est, ça serait un peu compliqué, hein, je vous avoue. On se défend. Je peux pas me soigner. Ça, c'est mauvais, ça. Se mettre à côté de d'elle. Évidemment, il attaque pas Maria, il attaque Kana. 43 de dégâts. Hein. Ça fait un peu mal quand même. Divin spécial. Kana, elle fait mal, du coup j'espère qu'elle fera un peu plus de dégâts. 133, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va d'abord soigner Ogami. On va se mettre à portée d'attaque. Je peux attaquer d'ici. Attaque spéciale. Ok. 103. C'est pas dégueu. Et moi je vais protéger Kana, elle a pas beaucoup de vie. Je vais même la soigner, tiens. Non, non, je peux pas la soigner, merde. Aïe aïe. Bah, je vais rester alors. Je vais accumuler du pouvoir. Comme je pensais, il attaque Kana. Bon, ça fait du coup 0. Il charge son pouvoir encore une fois. Faudrait qu'on se soigne en fait. On va se mettre là. On va attaquer normalement. J'ai pas fait plus d'enchaînements, c'est dommage. Parce que son attaque ultime, je pense que c'est une attaque de zone. Du coup, je pense que c'est mieux si je suis pas proche. Trop proche. Ok, notre attaque spéciale. 53, elle fait pas très mal. Bah, bon, comme d'habitude, on va protéger. Attendez. Info. Bon, j'ai 19 de défense. Moi, du coup, c'est pas la priorité. 9, 13, 12. Alors, on va protéger. Koran. Je pense que Kana, elle peut encaisser, mais. Mais pour Koran, ça risque d'être un peu plus compliqué, je pense. Ok, on a fond.
rester ici du coup. Bah, comme je le pensais, il attaque Kana. Moi j'ai pas pris le risque hein, parce que. Il aurait pu attaquer Koran et j'avais pas envie. Aïe aïe. Ah, il fait mal hein, quand même, il fait très mal. Il fait très très mal. On va. Reste. Voilà, c'est fait. Utiliser un spécial. Il n'y a plus de vie hein. Là, quant à face, on va s'approcher, on va attaquer encore une fois. 37 de dégâts, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Là aussi, on va encore l'affaiblir. On est bientôt mort de toute façon. Il a rien pris, mon gars. On va rester. Ok. Ma prochaine attaque devrait le calmer, je pense. Protéger Kana. Elle a littéralement plus de vie. Ok. Allez, coup de grâce. Voilà. Parfait. Allez, au revoir, mon gars. Oh, c'était compliqué, hein. Ouah. Allez, adieu. Très bien. On l'a fait, la pause de victoire. Attendez, non. On n'a pas encore réglé le problème de Iris, ça c'est vrai. Oula. La scène qui nous a attendu après la bataille était... un Kubu tout cassé et à l'intérieur était une Sakura fatiguée et... Iris qui dormait paisiblement à côté d'elle. Contre le derrière du contre l'arrière-plan du Kamina Rimon complètement détruit. Nice. C'était compliqué, hein. Purée, c'était dur. Et franchement, c'était dur. C'était dur dur comme fight. Bon, on va checker les statuts. Ouais, Iris, voilà. Je pense qu'elle ne m'aime plus. Je pense qu'elle nous déteste à présent. On va save ici, tiens. Franchement, faudrait que je check pour voir si ça change pas un peu le truc de si on allait sauver Iris. Parce que moi au départ c'était ça que je voulais faire, mais je sais pas pourquoi ma souris il a pas. Ouais, c'était bizarre. Bon, j'assume hein, jusqu'au bout, comme je le disais. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Ok, l'endroit est complètement dévasté. C'est super. Je pense que le rapport va pas être fou. Hein. Je pense que le rapport il sera un peu nul à chier. Attendez, alors je vais juste checker quelque chose rapidement. Voilà, c'est bon, je voulais juste checker, on était à combien de minutes d'enregistrement et ça va, je peux encore jouer un peu. On n'est pas encore arrivé à une heure. J'ai pas traduit la première. Bon, c'est pas grave. Je peux pas croire. Je peux pas les croire. Fais en sorte que moi je fasse tout le nettoyage. Est-ce qu'ils ont oublié qui était responsable de ce bordel? Elle vient de se réveiller, tiens.
Ah! Hein? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Quoi, tu t'en souviens pas? Je me souviens que j'étais en train de pleurer dans ma chambre. Mais j'ai l'impression que tous ces mauvais sentiments se sont envolés. Je me sens bien mieux. Eh bien, c'est bien. C'est très bien. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Enfin, mon frère. Hein? 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 Tu es bizarre. Et du coup, il y a tout le monde qui rigole. Hein. Fiu! On a tout cassé. On a tout cassé. Et c'est la fin de l'épisode! Ah, purée! Ok, du coup, prochain épisode, j'ai l'impression que ça va se concentrer sur Sumire et Kana, sur deux personnages au lieu d'une. Bah vous voyez, cet épisode aurait été un peu plus court, enfin, ouais, l'épisode 4 aurait été un peu plus court que les autres. Why not? Par contre, ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir complètement foiré l'histoire de Iris. Parce que c'était, enfin, la façon dont ça s'est fini, c'était un peu bizarre, je trouve. Mais bon, comme je dis, on assume jusqu'au bout nos choix. Du coup, malgré le fait que l'épisode ne va pas atteindre les 1 heure, je pense, on va s'arrêter là, puisque c'est la fin de l'épisode 4. Et du coup, nous, on va, pour le prochain épisode, on va commencer l'épisode, du coup, numéro 5. J'ai hâte de connaître cet épisode. Du coup, moi, je vous laisse là, et on se retrouve, du coup, pour le prochain. Allez, bye bye!